L'importance d'un régime sans céréales est faible en glucides pour les chiens, selon le Dr Karen Becker. Dans cette vidéo Pet Food Advisor, nous allons nous intéresser à des propos régulièrement partagés sur nos forums et qui se retrouvent aussi dans les publications de personnes qui suivent le Dr Karen Becker. En effet, analyser les explications de Karen Becker vous permettra de mieux comprendre ce qui a été recopié par les personnes qui se prétendent lanceurs d'alerte en nutrition animale. En fait, ils n'ont fait que recopier des parties de ces publications, mais aussi de propos de beaucoup d'autres personnes qui se sont exprimées sur la thématique des croquettes toxiques. La nutrition animale a toujours été un sujet de débat parmi les vétérinaires et les propriétaires d'animaux. Vous trouverez sur Internet de nombreuses publications de personnes qui se sont spécialisées en nutrition animale, comme Rodney Habib, blogueur en nutrition animale, mais aussi Karen Becker, dont les propos seront régulièrement analysés dans les sites partenaires de Pet Food Advisor. Le docteur Karen Becker, une vétérinaire proactive et axée sur le bien-être, a récemment abordé la question des régimes sans céréales et faibles en glucides pour les chiens. En France, beaucoup de personnes se sont inspirées de ces publications, mais malheureusement, ces arguments ne sont pas toujours très bien compris.